Marc. Tu viens. Pardon, je le fais à chaque fois, place des fêtes dans le 19e. Surtout par curiosité. Après, sans idée préconçue. Là, en ce moment, là, c'est une espèce de complexe culturo-écologique. On va faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu peux nous expliquer un petit peu, juste en 30 secondes. C'est à partir des contraintes du brainstorming de ce matin, un collègue qui a proposé des bibliothèques où le fait que les lecteurs viennent, ils créent l'énergie, enfin plus ou moins une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la Bible. Et puis donc là, on s'est un peu trituré les méninges et on est sur un truc, un complexe pour une communauté d'agglomération qui mêlerait la bibliothèque, le sport, justement avec des machines pour faire fonctionner tout ça, une éolienne et puis de la culture sur le toit. Enfin bon, ça part un peu dans tous les sens, mais ça peut être rationalisé. Mon idéal de bibliothèque en trois mots. Trois mots, ça suffira peut-être pas, mais bon. Policier, bande dessinée et pas de jeunesse. Le chat. Plus la plus folle, plutôt la plus sympa, le bibliomythique. Il existe. Là, très bien. Ben, merci beaucoup.